Salut internaute, aujourd'hui je te propose un défi créatif envoyé par Nina, que j'ai rencontrée à la fête de la BD d'Audincourt cette année. Elle y tenait un stand avec une partie exposition sur le thème du portrait, et de l'autre côté il y avait des tables pour faire ce défi précisément, qui consiste tout simplement à faire trois portraits à partir de trois formes simples, ici donc un rond, un carré et un triangle. Sur les tables de l'atelier créatif de Nina, il y avait à disposition des feutres, de plusieurs couleurs. Ici, moi, j'ai choisi de faire tout en rouge et noir. Mais si vous faites le défi, n'hésitez pas à utiliser la palette de couleurs qui vous fait envie ou à laisser en noir et blanc. Mais je dois avouer que le noir et le rouge, ce sont deux couleurs que j'utilise assez souvent et je trouve elles pètent bien. Elles vont bien ensemble et puis ça ressort bien. Et pour ce qui est du résultat, eh bien ma foi, je me suis retrouvée avec un personnage d'un certain standing qui boit un verre de vin au chaud dans son salon. Une fille toute friponne, hihihi, avec des tresses et un air malicieux. Et un personnage un peu émo sur les bords. Anarchie. Enfin voilà, je n'avais aucun plan en tête, mais j'adore le résultat. N'hésite pas à m'envoyer ton défi créatif en commentaire si t'en as à me lancer. J'ai adoré ce petit défi créatif du portrait maton. N'hésitez pas à le refaire chez vous et à l'envoyer à Nina. Je vous mets son lien Instagram quelque part, par là. Et des bisous!